François Rebsamen fera son grand retour sur la scène politique française jeudi 23 août. C'est du moins ce que croit savoir Le Parisien. Le quotidien annonce que le maire socialiste de Dijon devrait ouvrir l'université d'été du Parti socialiste jeudi. Ancien ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans les gouvernements de Valls 1 et 2, François Rebsamen s'était temporairement retiré de ses fonctions en avril dernier. En effet, à cette date, l'homme politique avait annoncé souffrir d'un cancer. De récents examens ont montré que j'avais un cancer, je dois donc subir un traitement. Durant cette période, je ne pourrai pas assumer pleinement les présences officielles liées à mes fonctions de maire et de président de la métropole, indiquait François Rebsamen dans un communiqué. Le maire de Dijon, d'habitude très discret sur sa vie privée, avait justifié son choix de rendre sa maladie publique en expliquant « Je le fais aujourd'hui par souci de transparence et de devoir de vérité envers mes équipes municipales et métropolitaines et envers les Dijonnaises et Dijonnais. » Il avait donc quitté ses fonctions afin de suivre un traitement. Mais selon Le Parisien, dans l'entourage de l'ancien ministre socialiste du Travail, on dit que ce dernier est guéri et très motivé en cette rentrée politique. Rentrée qui aura donc lieu pour lui à La Rochelle, qui accueillait déjà l'université d'été du PS jusqu'en 2015.